Bonjour à tous, bonjour à toutes. Là, aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale. Alors, c'est sombre, vous inquiétez pas, mais je vais projeter une vidéo qui est dommage. C'est dommage que je peux pas faire. Bon, bref. Alors, la vidéo, elle est là. Donc, ça se passe au Maroc. D'accord? Ça se passe au Maroc, mais le problème, c'est qu'on voit pas toute la scène qui s'est passée au Maroc. Parce que vous savez bien qu'en ce moment, il y a eu des manifestations récemment contre l'esclavage. Donc là, c'est des jeunes Africains qui parlent, qui disent ce qu'ils pensent de tout simplement de nos chers amis français, chers amis américains. Libérez nos frères!
Sinon, je vais montrer d'autres choses. D'accord. Là, c'est juste cette vidéo. Donc, je vais vous montrer une autre vidéo. Hein. Et là, cette fois-ci, elle est sur... Voilà. C'est franchement, c'est pas trop mon truc de faire des trucs comme ça, mais là, faut quand même dire stop à ces conneries-là. D'accord? Faut vraiment dire stop à ces conneries-là. Ah punaise, j'aime pas quand ça fait n'importe quoi. Et voilà, ça, ça se passe au Maroc. Thank you.
Bon, ben voilà. Donc maintenant, il y a un problème, ça fait un petit moment qu'on entend parler un peu. Et là, je vais en parler parce que, qui n'a plus rien à voir avec ce que je dis. Mais honnêtement, je trouve que c'est un peu inadmissible de voir des choses comme ça. Le peuple noir en train de se faire détruire par l'Afrique du Nord, exactement. La Libye, exactement, pour l'esclavage, tout ça. Ça, franchement, on a aboli depuis X temps l'esclavage, depuis telle année. En Afrique du Nord, bah, l'esclavage est toujours là, en gros, à leur méthode, quoi. Mais bon, il y a un truc qui va pas, qui colle pas, c'est pas normal du tout, ce genre de truc, parce que c'est pas du respect. Tout ça, pour la Libye, faut dire merci à Nicolas Sarkozy, personne d'autre, hein, à part nos amis américains aussi, qui s'en mêlaient, hein, faut dire. Tout ça, parce que Kadhafi était un bon, comment dire, un bon meneur de ce qu'il faisait. Aujourd'hui, c'est que la guerre, c'est que tout ce que vous voulez, il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Donc, tout simplement. Alors, je ne comprends pas pourquoi le Maroc, il fait ça, des choses comme ça aussi. J'arrive pas à comprendre, parce que c'est pour ça que Kadhafi a dit toujours qu'il ne confond pas, qu'il ne respecte pas les Arabes. Il n'aime pas. C'est pour une raison, malgré qu'il était arabe, il savait que les Arabes étaient bizarres. Et il n'avait pas tellement tort. Donc bref. Bon, pour vous dire en gros que tout simplement, le racisme, l'esclavage, c'est franchement inadmissible. C'est inhumain. Et ça continue toujours. Il y a de l'esclavage moderne, oui, mais là c'est l'esclavage, vraiment l'esclavage. On te met dans des chaînes et tout ça, et tu fermes ta gueule et t'écrases, voilà. On paye, hein, on te vend aux gens chers de plus de 2000 balles, presque 2000 euros une personne, quoi. Et ça, c'est pas normal, quoi. On revient en arrière dans certaines choses. Donc, franchement, faut arrêter, quoi, ces conneries. Moi, je trouve que je suis contre et ça fait un bon moment que je trouve que c'est pas normal, quoi. Ça fait quoi? Ça fait un bon moment que nous, on est contre et eux, ils s'y mettent encore et c'est pas normal, comme d'habitude. Et franchement, pourquoi toujours ce genre d'histoire au lieu d'avancer? Pourquoi toujours avancer? Et qu'en fin de compte, c'est toujours la même rengaine. Donc, c'est la même rengaine et c'est pas normal. Voilà. Bah voilà, tout simplement, désolé, c'est un peu sombre parce que j'ai pas mis la lumière. C'est pas grave. Hein, c'est un peu sombre, ça change un peu. Voilà. Bon, allez, je vous remercie. À la prochaine vidéo. Et je vous dis, je fais toujours l'actualité malgré que j'ai tout mon nom, DigiTony78. Allez, je vous remercie et salut à tous. Bye.